Moi, c'est Rufai Kouabo, je suis le directeur général du centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger. Un incubateur d'entreprises comme le CIPMEN, on va dire, c'est un centre de ressources mutualisées. Mutualisées dans la mesure où, comme nous le savons, nous sommes dans des écosystèmes où les ressources coûtent cher, les ressources sont rares. Donc l'idée d'un incubateur, c'est de pouvoir mutualiser ces ressources-là pour un certain nombre d'entreprises pour qu'elles puissent se focaliser seulement sur leur business. Donc les types d'accompagnement que nous proposons, c'est non seulement aux PME mais aussi aux porteurs de projets. Parce que nous faisons des formations d'initiation, donc qui sont des formations sous 48 heures. En réalité, ces formations permettent à ce que les jeunes porteurs de projets puissent déjà se frotter au domaine dans lequel ils souhaitent entreprendre. Et puis nous avons la pré-incubation, donc ça c'est pour les porteurs d'idées qui sont dans un état, on va dire, A, où ils peuvent être soit salariés, soit au chômage. Et du coup, ils se demandent, est-ce que mon idée vaut le coup que je quitte mon statut A pour aller au stade d'entrepreneur. Donc nous les accompagnons sur une série de formations pendant 3 à 4 mois, à l'issue desquelles ils vont sortir avec un business model. Ensuite, nous avons aussi pour les PME, donc l'incubation, pour les startups et les PME. Donc l'incubation, ça c'est vraiment une démarche longue durée où nous accompagnons l'entreprise sur 2 à 3 ans. Et pendant ces 2 à 3 ans, nous les accompagnons dans tout ce qui est stratégie, dans tout ce qui est recherche de financement, dans tout ce qui est recherche d'opportunités, lobbying auprès de nos partenaires. Donc nous avons des partenaires techniques comme Synergie qui sont membres du conseil d'administration. Donc c'est pour dire que vraiment nous essayons d'avancer sur tous ces domaines-là pour pouvoir permettre aux jeunes d'innover.